chaîne, mon lieu de refuge, les sangs de l'agneau. Yeah. Na pousani pene na yo, zambe na bomoi. Na ebisa yo likambwe tungi si yo yanga motema. Awa komo kile komiko kende na sukai. Koro bisi. Apambo la bino. On a voulu faire une prédication en direct. Pour ceux-là qui nous suivent à travers Facebook, nos amis internautes qui sont connectés, nous vivons dans l'époque où il y a presque la mort partout dans le monde. Surtout sur cette pandémie qui ravage partout dans le monde, il y a la mort qui surgit partout. Je voulais apporter un message qui peut consoler nos bien-aimés de gauche à droite. Pourquoi je demande que vous soyez vraiment connectés. Soyez vraiment connectés avec nous. Si vous avez des commentaires, nous vous demandons d'envoyer vos commentaires. Nous sommes disponibles à aider les enfants de Dieu, surtout dans ce moment où c'est presque partout dans le monde, les églises ne fonctionnent pas. Disons dans la prédication Exode 8. Mais en ces jours-là, je distinguerai les pays de Goshen où habitait mon peuple. Je distinguerai les pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches enfin. Que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. Dieu lui-même parle, il va mettre la différence, la distinction entre gauche et vraiment Goshen et les autres nations qui étaient, l'autre ville qui était autour. Pourquoi j'aimerais parler sur Goshen ou bien Goshen? Goshen, c'est la Bible qui a parlé, mais Branham a parlé sur Goshen. Quoi, j'aimerais que nous puissions vraiment parler sur Goshen. Ajoutons quelque chose dans Exode 9. 25. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Tous ceux qui étaient dans le champ, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes de champ et brisa toutes les arbres de champ. Ce fut seulement dans les pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est seulement dans ces pays-là
dans les contrées où Israël demeurait, où il n'y avait pas de fléau, où les grès n'avaient pas frappé. Parce que Dieu lui-même avait dit, il mettra la différence entre Gozen et les autres côtés où les autres habitaient. Parce que c'est en Goshen où les enfants d'Israël se cachaient. Là, il y avait la gloire de Shekinah qui les couvrait. Et dans Exode 10, lisons encore quelque chose là-bas. 21, en descendant. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Et qu'il y ait des ténèbres sur les pays d'Égypte. Et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y eut des paix ténèbres dans toute l'épée d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns et les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Ezalaki na pole esika bana ezalela babandaki kovanda. Pendant que partout il y avait des ténèbres, il y avait des grêles, des fléaux qui frappaient l'Égypte, mais Israël était en Gozen. Natango molili pasi makambo pasi minyoko ezoki ba misusu. J'aimerais dire à tous les enfants de Dieu dans leur maison, soyez tranquilles et soyez calmes, nous sommes en Gozen. Amen, amen. 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 Les ténèbres vont frapper ailleurs. Les gens vont mourir de l'épidémie. Mais les chrétiens ne mourront jamais. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comme il avait protégé, Israël en ces temps-là, comme nous, nous sommes Israël spirituellement, nous avons la même colonne de feu, la nuée de gloire, le message de l'heure et le prophète Moïse moderne William Branham. Amen. Nous sommes protégés. Je peux recevoir un amen. Amen. Dans la prédication Exode, dans la Bible Exode 12, 13. Lisons ensemble avec moi. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les dépoteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne vous détruira, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les dépoteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte.
Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. J'aimerais parler sur Gozen. Et Branham appelle cela Goshen. Gozen et Goshen, c'est toujours la même chose. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes en Goshen. C'est les païens, les adultères, les voleurs, les menteurs, les prostituées qui sont là en train de trembler, mais nous, nous sommes calmes parce que les fléaux ne nous détruisent, ne peuvent pas nous détruire. Ezali ba pagano. Amen, amen. Ezali ba ndumba, bato na bokosi, bangwalima, bangonyo sonande ba kolela. Les féticheurs, les sorciers, les marabouts, ils seront frappés par ce fléau. Ce sont les signes du temps de la fin. L'épouse, réveillez-vous. Nous avons déjà prédit, lorsque nous verrons ces fléaux frapper le monde, les deuils, maison après maison, réveillez-vous parce que notre rédemption arrive déjà. Et si Bayebi Sakabiso est tango bokomona bwalewana kozwama kokota na ndaku na sima mosusu et milelo bipai na bipai bino mwasi na libala bola muka. Je vais lire encore dans question réponse sur la jeunesse. Branham nous parle de Gozen. Na kotanga na mutuna pe ya no owa pi likolo na bikela mo ndeko Branham azali kolobela biso likolo na Gozen. Prêché en 53. Était ami na 1953. Paragraphe 243. Regardez maintenant dans l'Ancien Testament. Lorsque vous voyez les plaies tomber, c'était en Égypte. N'est-ce pas la vérité? Et Dieu était en train de faire sortir son peuple pour l'amener vers la terre promise. Est-ce que c'est la vérité? Nous aussi, nous sommes dans le chemin vers le ciel. Israël, Moïse avait reçu une mission de faire sortir les peuples en Égypte vers Canaan. Et Jésus avait reçu une mission de sortir l'Église en Égypte ou bien en judaïsme pour les faire entrer en christianisme. Et Malachie 4 est venu aujourd'hui pour faire quitter les gens ici, préparer l'épouse pour amener l'épouse dans l'enlèvement. Et nous sommes aussi en voyage. Nous sommes aussi des pèlerins, oui, des pèlerins ici-bas. Amen, amen. Il dit, ils étaient en route vers la terre promise. Et Israël n'a jamais reçu une pluie. Gloire à Dieu. Juste comme les plaies. Avant qu'elle tombât, ils étaient en Goshen. Est-ce que c'est la vérité? Et le soleil, oui, le soleil ne s'obscurcit jamais en Goshen. Pendant qu'il y avait des ténèbres partout et le soleil brillait sur eux. Les moustiques ne verrent pas en Goshen. Il n'y a pas de grenouilles là-bas en Goshen. Pas de pousses là-bas en Goshen. Il n'y a point d'orange, d'orage, point d'éclair. Les bétail ne furent pas détruits. Et tout ce qu'il possédait là-bas fut préservé à Goshen. Amen, 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 amen.
Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? C'est un type de l'Église qui s'en va jusqu'à la période de tribulation. Vous connaissez bien que l'épouse ne passera jamais à la tribulation. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête car votre rédemption est proche, voyez-vous? Amen, amen. Ne tremblez pas, l'Église, nous sommes en Goshen. Dans la prédication, que ces réponses prêchées en 61, les 15-10 au 61. Il dit, qui a frappé les pays des flots là-bas? Qui a laissé le soleil continuer à briller à Goshen? Voyez-vous, nous devons nous rappeler ces choses. Nous rappeler que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a frappé l'Égypte et il se mettait à protéger les peuples. Amen, amen. Israël n'était jamais frappé. Ils étaient vraiment Goshen. Ils étaient vraiment en protection. Dans la prédication, il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Prêché le 31 juillet 63. Il dit, la mort frappa l'Égypte. Il allait tout tuer. Vraiment, il allait tout tuer en Égypte. Rappelez-vous, lorsque les îles serrées firent irruption, lorsque le feu tomba, lorsque les pluies tombaient et qu'il y avait la grêle, Dieu avait un endroit auquel il avait pourvu pour ses élus. Gloire à Dieu. Amen. Pour qu'ils ne connaissent pas cela, il y avait un lieu appelé Goshen. Maintenant, un esprit de mort allait parcourir les pays. Et chaque homme, oui, ne l'oubliez pas, la mort frappée. C'est pourquoi nous mourons. Pourquoi nous mourons? Et Israël devait avoir quelque chose pour se préserver de la mort. Sinon, la mort les aurait aussi frappés. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Et Israël avait péché. Et Dieu, enfin, qui ne meurt pas son peuple qui essaie de le suivre, il a pourvu un agneau et au sang sur la porte. Cela protégeait les premières nées. C'est la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Entre-temps, l'Égypte se disait qu'il pouvait s'enfermer autour de tout le grand théologie, l'air magicien, je ne sais quoi. Vous voyez aujourd'hui dans le monde ce qui se passe. Amen. Beaucoup de savants sont en trouble. Les grands magiciens du monde, ils s'émerent. Nous connaissons nos ministres d'ici en RDC. Une petite maladie, oh, nous partons à Poto. Maintenant, où est Poto maintenant? Il manque où courir.
Maintenant, allez encore à Porto parce que c'est là-bas où, surtout en Italie, les gens meurent comme des mouches. Partout, il y a des morts. Mais nous, les chrétiens, nous sommes en Goshen. Dans la prédication, Apocalypse 9, 4. Il leur fit Dieu de ne point faire le mal à l'herbe de la terre. Ni à aucune verdure. Ni à aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais encore reprendre et jouer la bande. C'est dans vos Bibles là. Apocalypse 9, 4. Il leur fit dire de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ça veut dire tous les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu. Tous ces gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est les gens que vous voyez mourir. Le Saint-Esprit, c'est ça notre Goshen. Amen. Le message de l'heure, c'est ça notre Goshen. Amen. Aujourd'hui, nous avons la nuée de gloire. Vous voyez la nuée de gloire? Nous avons la colonne de feu et nous avons un Moïse moderne. C'est William Marion Branham. Et notre Goshen aujourd'hui, c'est ce message. Écoutez, les gens qui vont périr. Quels sont les gens qui vont périr? Dans la prédication, la tempête qui approche. Paragraphe 134. Nous voyons les journaux, les tempêtes qui approchent. Lorsque vous rentrez chez vous ce soir, faites-moi une fois vert. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les flots. Oui, les fléaux et la tempête qui approchent et qui frapperont la terre, et les tonnerres et les éclairs ébranleront la terre. Les malheurs frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont. Dont les médecins ne savent rien. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un seul mât fut fait. Et les anges de la mort, avec leur fléau, avaient reçu de Dieu cet ordre de... Oui, ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Peu importe combien l'arche tanguait, peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle, 10 000 tomberont à ta droite et des milliers à ta gauche, mais cela ne s'approchera point de toi. Ata kondenge mbonge bwale makambo apasi zalaki ata kende bankake bandaki kobeta kasi ata konkoto zomi bakwena loboko na mobali koto zomi na moko bakwena koto na loboko no ya mwasi mabe moko te ekotikala kozwa yo. Paragraphe 107, la Bible me dit qu'il viendra un temps
Où ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Les maladies sont en route. Que les médecins ne seront jamais arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter le fléau de Dieu. Les devins et leurs imitateurs non plus. Il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous les sangs des agneaux. Le Saint-Esprit est cette parole et cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. C'est le moment d'abandonner le mal. C'est le moment de croire en Jésus. C'est le moment de donner votre vie à Jésus. Le temps n'y est plus. Donnez ta vie à Jésus. Bientôt c'est l'enlèvement. Tous les signaux qui marquent sa venue est en train d'être accompli. Nous les voyons. Nous voyons la mort partout. Les pandémies partout. Il y a des deuils partout. C'est pourquoi donnez votre vie à Jésus. Entrez en Goshen. Goshen, c'est le Saint-Esprit. Goshen, c'est le message de l'heure. Goshen, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce message prêché par William Marion Branham. Amen, amen. J'arrive déjà à la fin. La dernière citation. Oui, dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Paragraphe 42. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Alors que notre temps s'écoule, écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans le dernier jour, il y aura une guerre bactériologique? Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais cet ange, ou à celui qui était chargé de ces fléaux, a été donné l'ordre de ne pas toucher à ceux qui portent la marque. Oh, quelle sorte d'enseignant devrions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre, qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Amen. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera. Alléluia. Et je me souviens que lors de l'inondation de 1937, tout le monde devait se faire vacciner contre la typhoïde. Alors, j'avais évité d'en prendre. J'ai patrouillé les lignes électriques. Alors, je suis sorti et je suis parti. Un homme est revenu, me trouva et a dit, « As-tu réussi ta piqûre ?» J'ai dit, « Oh oui, j'ai réussi ma piqûre. » Il a dit, « C'est vrai. » C'est vrai, il a dit. Cela t'a-t-il rendu malade? J'ai dit, oh non. J'ai dit, non, pas du tout. Il a dit, quand as-tu réussi ta piqûre? J'ai dit, depuis 3 ans environ. 3 ans? Il a dit, eh bien, tu devrais en prendre une autre. J'ai dit, j'en reçois une presque à chaque heure.
Ça veut dire, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de leur vaccin là. Nous sommes déjà vaccinés. Ah, oh, le pasteur est contre les vaccins. Pour nous, nous sommes déjà vaccinés. Nous n'avons pas besoin de leur vaccin là. Le Saint-Esprit à nous est contre, il va expliquer toute l'épidémie qui va venir. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous entrez à l'intérieur. Comme Israël venait sous le sang, ils étaient à l'intérieur, en sécurité. Protégés contre les fléaux. Il y avait les seigneurs en Égypte, les gens qui étaient détruits. Mais ils étaient en Christ. Et vous devez entrer en Christ. Dernière citation. Dans la prédication au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 49. Les prophètes Branham dit les gens qui sont frappés de cette endémie, ce sont les prostituées, les lesbiennes, les gens qui pratiquent l'homosexuel. Regardez dans le monde, même les pasteurs ont permis les mariages des hommes et des hommes qui se prennent. On nous dit qu'en Italie, c'est là où Dieu réside là-bas. Les remplaçants de Dieu est là-bas. Oh là là. Mais regardez comment les gens meurent. Les remplaçants de Dieu, les papes, et m'a fui. Je vous dis, frère, entrez en Gozen. Gozen aujourd'hui, c'est ce message. Et je le déclare tout, aucun croyant du message ne mourra de cette épidémie. Amen. Ils ne seront jamais détruits. Nous sommes déjà protégés. Amen. Dans notre corps, nous avons les vaccins. C'est une petite exhortation que je voulais vous donner. Dans vos maisons, gardez toujours l'atmosphère de la prière. Gardez vraiment l'atmosphère de la prière. Lisez votre Bible. Lisez les brochures. Et sur notre chaîne YouTube, chaque fois on va commencer à lancer un peu de prédications. Oui, on va commencer à lancer nos prédications là-bas. Et restez vraiment connectés. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez aussi les liens aux autres pour élargir notre la visibilité de notre chaîne. Si vous avez votre offrande, votre dîme, envoyez cela dans notre numéro Orange Money. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Ajeunez-vous, vous êtes en famille, ajeunez-vous. Saisissez-vous, mettez à la main, je vais prier. Seigneur Jésus, Dieu de la colonne de feu, tes enfants m'ont suivi à partir de leur maison. La Bible nous dit que nous sommes en Gozen. Là où les tempêtes, les fléaux ne peuvent pas frapper. Seigneur Jésus, protège-nous contre cette pandémie, Seigneur Père de gloire.
qui continue à frapper dans le monde du Seigneur Jésus. Je fais entrer tous mes enfants en Gozen. Qu'ils soient protégés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je les réclame au nom de Jésus. Et que tout celui de bien-aimé Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, qui n'a jamais donné sa vie à toi, qui vivait encore dans le ténèbre, dans le péché, touche-les à travers cette prédication, Seigneur Jésus, qu'il abandonne le mal et qu'il puisse entrer en Gozen, qu'il puisse entrer, Seigneur, dans le message de l'air, qu'il puisse être caché dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment de crise, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Parce que tu nous dis dans Psaume 91 que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à ta droite, nous ne serons jamais atteints. Le fléau n'approchera jamais de nos maisons. Et tu dis encore que tu vois nous donner la nourriture, nous serons rassasiés de longs jours. Laisse que les crises, Seigneur, soient éloignées de nos maisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gochen, mon lieu de refuge, le sang de l'agneau. Oh yeah.